D'abord, pour nous, membres du jury, ça a été passionnant de voir autant de projets très riches en perspectives. Et on s'est passionné pour ça et on a imaginé, c'était notre travail, ce qu'allaient donner ces projets. Et j'ai trouvé que le côté concret des projets, et ce côté concret, c'est très lié à l'Agence française de développement. C'est-à-dire, vous voulez travailler concrètement dans un pays. Et pour un photographe, le mot concret, ça signifie qu'il peut y avoir une représentation visuelle. Ben pour nous, entre l'Agence française de développement sur ce projet de prix et la définition de Polka, le concept de Polka, on a la même vocation, la même culture. La définition même du prix, qui consiste à réfléchir à une idée, à la mettre sur le papier et à dire on y va ou on n'y va pas, c'est tout le pari que doit faire un magazine comme Polka. Donc ça nous semblait cohérent de travailler ensemble. Avec Alain Bu, dans son écriture, on est toujours proche de son sujet et on est toujours proche des gens. Et il arrive à créer une émotion tout en délivrant une information. Et l'équilibre des deux est très important. L'information, elle est essentielle, c'est son métier, mais l'émotion, c'est ce qui va faire que le public va s'intéresser à cela et va essayer de percevoir soit un message, soit comprendre un problème, et donc envisager les solutions. Je pense que c'est ce que cherche à faire aussi l'Agence française de développement. On attend toujours, et c'est toujours la conversation que l'on aime avoir avec un photographe, c'est une surprise, mais pas une surprise sur n'importe quoi. Une surprise sur des sujets essentiels, c'est-à-dire quel angle sur ce sujet essentiel, quel angle original va-t-il apporter. Donc c'est ce qu'on souhaite de mieux pour la deuxième édition. C'est important puisque ce prix a une dotation relativement conséquente, même très conséquente par rapport à d'autres prix, qu'il permet d'aller au bout d'un projet comme celui d'Alain Bu qui nécessite des mois de travail. Donc c'est essentiel. La seule manière, la première, c'est de montrer ces inégalités. Quand je dis montrer, ça ne veut pas dire dénoncer. Après, le public peut émettre un jugement, il peut s'indigner. Mais si on ne montre pas ces inégalités, si on reste juste dans des concepts vagues, si on reste juste dans les mots, s'il n'y a pas les images qui appuient les mots, on aura beaucoup de mal à mobiliser l'opinion publique et beaucoup de mal à démontrer au gouvernement qu'il est urgent d'agir, au gouvernement, aux ONG, à tous ceux qui peuvent intervenir. Grand angle, ça veut dire richesse de l'information, ça veut dire honnêteté de l'information, ça veut dire qu'on ne va rien ignorer. Et quand on fait un grand angle, on peut, à l'intérieur de ce grand angle, zoomer sur différents personnages, sur différentes choses. Mais le grand angle, c'est la largesse d'esprit. Aujourd'hui, la presse doit se convaincre qu'il faut courir le risque d'envoyer des équipes, d'envoyer des photographes pour aller à la pêche à une information, pour aller rechercher des images, pour être des chasseurs d'images et revenir avec ces images. Mais on ne peut pas faire ce métier sans risque, mais il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne peut pas faire sans courir des risques.